Salut tout le monde, c'est Vapo. Alors comme vous pouvez le voir, je vais vous faire la démonstration enfin la présentation surtout, pas la démonstration, la présentation du Kefen 3.1 clone. Donc là, on a l'original et aussi le clone. Donc l'original, pour ceux qui le connaissent très bien, va se trouver ici et le clone va se trouver ici. À beaucoup de points, ils se ressemblent. Il y a des choses bien évidemment qui sont moindres sur le clone que sur le vrai, mais ça n'empêche que ça va vraiment profond. Et super bien. Donc, je vais démonter d'abord le vrai Kefen. Donc on a le drip. Hop là, ici. On a la vis ici, qu'on peut desserrer avec l'ongle, sans problème. Hop, je l'ai pas assez desserré du coup. On la desserre. Allez. Je vais y arriver, hein. Je vous promets, je vais y arriver. Voilà, ça y est. Attention, petit joint, hein, si vous avez le vrai Kefen, de faire attention de ne pas perdre ça. On défait une partie du corps. On peut défaire le caps, le button cap ici. Voilà. La première partie ici. Attention au petit joint ici pour le vrai Kefen. Hein, ne pas le perdre, c'est important. On a donc le tank inox qui peut être remplacé par un tank PPMA. Moi j'essaierai ça comme une vache évidemment. Donc on va faire ça en deux fois, c'est pas grave. On va déjà défaire la cheminée ici. Voilà. On va défaire le tube central qui sert justement pour la fameuse fonction du cyclone. On va défaire ça. La base. Et j'essaierai ça comme une mule. Voilà, ça y est. Pas trop serré, la preuve, hein, moi je serre ça trop fort et au final je me retrouve embêté. Voilà donc toutes les pièces que représente aujourd'hui un Kefen 3.1, le vrai. D'accord? Donc ça, on va démonter celui-ci maintenant. Donc celui-ci, on enlève le drip. On enlève le button cap. Quand vous desserrez, vous verrez, ça se desserre en même temps parce que le joint qui est à l'intérieur tient tellement bien la cheminée que ça emmène tout. Donc attention quand vous le démontez. Voilà, alors je vais décaler un petit peu de façon qu'on voit toutes les pièces. Je défais. Alors, faut vraiment que je. Donc ça couine un petit peu par rapport à l'autre. Vous avez vu, ça couine un petit peu. C'est léger, mais ça couine quand même. On desserre le tank aussi. Voilà. Alors pour diversifier, pour comparer avec le vrai Kefen, le Kefen clone, lui a des joints, hop, qui sont tout blancs. Donc déjà c'est ça montre la différence pour ne pas se tromper. Hop, on défait le tube central et on défait la base. Donc je ne desserre pas la vis parce que du coup la vis qui est ici, parce que du coup elle est beaucoup plus raide que sur le vrai Kefen. Ça n'empêche pas qu'on peut le desserrer quand même. Hop, voilà. Et voilà. Donc, si je compte bien, ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pièces. Et ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi 9 pièces? Parce que justement, la petite vis qui est là, moi je peux pas l'enlever. Et elle est ici en fait. Elle est juste ici. Enfin, je peux pas l'enlever. On peut la desserrer hein, au tournevis, ça se dessert. Mais ne s'en ira pas. Quelque part, c'est pas très gênant. Clairement, on s'en fout un peu. C'est pas un problème. Donc voilà. Qu'est-ce qui va différencier du vrai du faux? Ça va être sur le button cap dans un premier temps. Hop, on a ici une finition, donc une arête cassée. Alors qu'ici, on a l'arête qui n'est pas cassée. Elle est complète. Elle est complète ici. Donc là, déjà, ça, c'est une différence.
Ensuite, qu'est-ce qui va diversifier le Kefun normal du Kefun clone? C'est que au niveau du tank PPMA qui est fourni pour le vrai Kefun, ça se vise parfaitement bien. Je vais vous le montrer. Voilà, ça accroche quasiment pas. On peut trouver tout de suite le pas de vis parce que ça a été bavuré. Et encore, là, je dis que ça se trouve facilement, ça se trouve facilement. C'est vite dit quand même, malgré tout. Allez. Ah, madame, quand même. Ouais, comme quoi, même sur le vrai, voilà. Il suffit de bien prendre l'accroche et ça se vise bien. Si je prends donc le tank, qui vous voyez d'ailleurs est différent puisqu'il est un petit peu mat. Bon, ça c'est un détail, hein, ça n'empêche pas. Les bavures pour ce qui est du tank plastique, donc PPMA, sont mal ébavurés. Donc du coup, quand on veut visser le tank dessus, ça accroche un petit peu. Pas beaucoup, hein, mais ça accroche un petit peu. Donc du coup, faut faire attention. Alors moi, faut vraiment que j'arrête de serrer comme une mule. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que quand vous allez le recevoir, ce fameux clone Kefun 3.1, c'est que sur le tank plastique, il n'y a pas les joints. Les joints sont fournis dans un sachet. Dans un sachet que voici. Voilà, on a non seulement les petites vis là, qui servent pour la connexion de votre coil ici. Et vous avez aussi les joints. Donc pensez bien à mettre les joints sur le tank avant de le monter, sinon vous aurez des fuites. Dans le coffret, vous aurez aussi le tournevis. Le fameux tournevis porte-clés qui est livré pour le Kefun, pour le Russian, pour tout le monde. Donc tout est prévu pour ça. On a aussi du Cantal, un tout petit bout de Cantal. Par contre, ils ont été un petit peu radins sur l'histoire. Mais bon, ça peut servir pour le premier montage. Et on a une gaine EcoWool. Alors ça doit être du 4 mm, ça je pense. C'est un très 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 gros morceau. Moi personnellement, je ne me suis pas servi de ça pour faire le montage. Très clairement, je ne me suis pas du tout servi de ça. Par contre, on peut effectivement s'en servir si on le souhaite. Ça, c'est au choix. Pour ce qui est de faire le montage, moi, j'ai prévu de vous montrer un montage très simple. Alors, je vais prendre de ce qu'il faut. Hop. Je vais prendre ma pince. Si elle veut bien venir. Et je vais prendre. Hop, du Cantal, un petit bout. Prendre un petit bout de Cantal en 0,30 du coup. Voilà. Un petit bout, un gros bout, comme d'habitude, de toute façon. Là, ça change rien. Et j'ai prévu donc du Cantal. Alors normalement j'avais prévu du Cantal. Ah, je suis organisé encore moi ce matin, c'est terrible. Hop, pas du Cantal, mais de la mèche silica. En 3 mm. Voilà. Voilà, donc ça, ce sera pour le montage tout à l'heure. Donc je vais remonter mon bazar. Voilà. D'un côté. Après, moi, je le monte un petit peu à l'arrache. Normalement, il y a des étapes. Après, les étapes, on s'en fout un petit peu là pour le coup. Puisque c'est pas le clone, c'est pas le vrai Kefun dont on va parler aujourd'hui, mais de son clone, très clairement. Hop, voilà, ici. Donc effectivement, là, il n'y a pas de vis sur le vrai Kefun, il n'y a rien à dire, hein, c'est vraiment très très propre. Hein. Bien évidemment. Au prix que ça coûte, ce serait dommage que ce soit le contraire. Ça, bien évidemment. Très bien, j'oublie quelque chose. Donc, bien évidemment, faut pas oublier de mettre ça. Queen un petit peu, de temps en temps, ça arrive. Bon, pas très grave en soi. C'est pas très problématique. Voilà. Voilà. On remet bien le petit joint. C'est vrai c'est pas mal difficile quand même à mettre, hein, malgré tout. Voilà. Toc. On met ça.
et on revise ça. Alors, sur le kefen, vous avez vu là que j'ai mis le drip d'origine qui se visse sur le kefen original. On a aussi cette fameuse bague qui nous permet d'avoir d'adapter un drip type 510. Ici, on n'a pas ça. Hop là. On n'a pas ça. On a juste le button cap taillé dans la masse. Hop. Taillé dans la masse et le drip type d'origine qui vient se mettre dessus. J'ai fait le test et je pense que Epro s'est trompé en faisant l'usinage. Et il n'y a que ce drip type là qui passe. Je suis en train de me renseigner pour justement trouver le caps d'un Kefen normal. Parce que je vais vous montrer tout de suite. Le caps du Kefen normal va parfaitement bien sur celui qui est clone. Il se marie très très bien avec. Donc il suffit que je trouve la base avec justement cette adaptation. Et pour tous ceux qui auront pris le Kefen 3.1, bien évidemment, je ferai le nécessaire pour vous faire parvenir cette pièce. Je vous dis, je ne sais pas quand est-ce que je vais le trouver, mais je vais le trouver, ça c'est sûr. Ça, vous pouvez compter sur moi. Donc, nous allons mettre les joints sur le fameux tank PPMA. Voilà, tout simplement comme ça. Donc il y en a un de chaque côté, hein, bien évidemment. Donc il ne faut pas oublier à le mettre de chaque côté. Hop. Alors, excusez-moi, il y a mes enfants en bas, hein, qui se battent. C'est mercredi, c'est la journée des enfants, bien évidemment. On ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc, le tank est donc équipé de ses joints. On va pouvoir faire le remontage du coup. Alors, on trouve la bonne accroche. On serre bien. Alors, je vais couper 2 minutes la web de façon à leur dire de se taire. A tout de suite. Allez, me revoici. Il suffisait juste de leur dire de se taire. Ils en ont profité pendant que j'étais en haut et que leur maman était occupée. Voilà. Donc, le tank est monté. Nous allons donc associer. Alors, je vais pousser le vrai Kefen. Voilà. Pour pas se tromper. On va pas faire de triche. On va revenir sur notre bête à nous. On va remonter la pièce, la base. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, les pas de vis, malgré que ça couine un petit peu à certains moments, il n'y a pas de souci particulier. Hein, si on met le. Voilà, ça visse très bien. Hop. Alors, nous allons faire notre montage. Pour faire ceci, nous allons prendre donc le tournevis qui est fourni avec. Hein. On va pas s'embêter. Hop, là c'est le plat. Et moi je veux le cruciforme. Moi, je prévois de desserrer déjà un petit peu les vis de façon à ce qu'on puisse faire le montage correctement et pas s'embêter. Pour ce faire, le cantal, moi je le mets comme ça. Alors, je vais essayer de le faire le mieux possible. Voilà. Je fais une sorte de boucle comme ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, une boucle comme ça. Et cette boucle, en fait, je viens l'écraser. Tout simplement. Voilà, je viens l'écraser. Et au milieu de ça, bien évidemment, je vais faire mon coil. Voilà, je vais faire mon coil. Je vais faire 4 tours. Ça me semble pas mal. Je pense que je devrais tomber sur les alentours de 1 ohm. Et vaper sur mon petit mode mécanique que j'apprécie actuellement. Voilà, on a donc ceci qui est fait avec le coil réalisé dessus. On va venir maintenant le mettre en place. Alors, il faut qu'il y ait, pour réaliser le montage correctement, une patte qui part dans un sens et l'autre patte qui part dans l'autre sens pour pouvoir le positionner correctement. Alors, je vais me mettre de façon à pouvoir faire le montage correctement. Voilà. Je viens donc coincer dans un premier temps
Cantal que je viens serrer. Voilà. Et je fais de même de l'autre côté, de façon à ce que, en fait, ma mèche, ma résistance soit en plein milieu, de travers, et pouvoir réaliser le montage correctement. Voilà. Excusez-moi si des fois je m'écarte du champ, c'est parce que je n'arrive pas encore à travailler et regarder la vidéo tout en faisant mes montages. Je ne sais pas encore faire ça. Voilà. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a déjà fait pas mal de choses. On a bien avancé sur le montage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper. Alors, bien évidemment, j'ai encore oublié ma petite pince nécessaire. Donc, on va prendre la grosse, c'est pas un problème en soi. Hop, on vire ça. On vire ça. On vérifie que le coil ne touche pas la base ici. Donc, pour ce faire, on relève un tout petit peu. Voilà. Très légèrement ceci. Et on vient aussi couper le surplus des petites pattes là de la mèche. Parce qu'elles ne nous servent à rien. On va juste garder les oreilles en fait. Voilà. Va juste garder les oreilles. Et on va d'abord tester avec du juice, comme on dit, chez nous. Alors du coup, j'ai pas prévu du 100% VG, donc forcément, ça va pas être évident, évident. Mais en l'occurrence, ça fera pareil. Donc, va faire ça comme ça. On va prendre le mode. Je vais même pas mettre de juice dessus. Je vais juste vous faire voir comment ça rougit. Et après, on passera en gros plan sur l'autre Kefun qui est prêt, lui, à l'emploi avec du 100% VG, puisque moi je vape quasiment que là-dessus, comme vous le savez tous. Donc, je visse. Sert bien. Comme vous pouvez le voir, ça rougit. Alors, ma batterie est un peu vide. Donc, forcément, ça a du mal, mais ça rougit, vous voyez. Avec une batterie pleine de balles, ça envoie direct. Hein, il n'y a pas de souci. Donc, mon ordinateur qui me dit qu'il a un virus de détecté, depuis 3 jours, il dit ça, donc je sais pas. Au passage, voilà. Voilà, donc ça rougit. Pour ce faire, pour continuer et finir le montage correctement, donc je vais enlever le mode. J'enlève le mode de la bébête. On finit le montage quand même, donc on passe les oreilles dans le tube. On va passer le plus grand d'abord et le plus petit ensuite. Voilà. On passe ça comme ça. Hop. Faire attention de ne pas tout frotter quand même. Voilà. Alors moi, très clairement, j'ai fait mes oreilles un peu trop grosses. Hein. Que ce soit clair, normalement, il faut les faire un peu plus petites quand même. Donc là, on a les mèches qui dépassent, bien évidemment. Donc on va venir les enfoncer dans la cavité, dans le tube. Voilà. Si vous ne les enfoncez pas suffisamment, vous allez avoir des remontées de liquide. Parce que du coup, vous aurez des mèches qui seront au-dessus de la résistance. Et forcément, ça peut poser des petits soucis de paille McDo. Ça peut être désagréable. Donc, si on veut régler ce problème, on vient enfoncer très gentiment tout ça dans le fond, de façon à ce qu'on ait que la mèche, que la résistance, que le coil qui soit apparent. Donc là, en l'occurrence, étant donné que j'en ai mis un petit peu beaucoup, ça va pas être évident, mais je devrais y arriver quand même. Voilà. S'il y a un petit brin, c'est pas très très grave en soi. Voilà au final ce que ça doit donner dans la cheminée, ce que ça doit représenter. Voilà. On a ici donc ici la résistance qui est ici, et de chaque côté on a rempli de chaque côté la cheminée avec le silica. Ensuite, on vient mettre la petite cheminée supplémentaire
Je sais pas comment on peut appeler ça. Après, moi, j'appelle ça cheminée. Vous appelez ça comme vous voulez. Faites-vous plaisir. C'est pas Noël, mais c'est bientôt. On remet le corps. Et on remet le bottom cap. Là, il est presque prêt à fonctionner. Et Pro n'a pas mis de vanne de remplissage. Ils ont tout simplement mis une vis. Donc il suffit de dévisser. Bien évidemment. Vous la dévissez avec le tournevis fourni. À fond. Faites gaffe de ne pas la perdre parce qu'il n'y en a pas de remplacement. Donc si vous la perdez, le Kefun très clairement ne sert plus à rien. Puisque vous aurez des fuites. Donc faites ça bien au-dessus d'une table, pas au-dessus d'un évier, parce que vous voyez la taille, c'est tout petit. Donc ici, vous remplissez et vous pouvez remplir avec soit une fiole qui a une aiguille caoutchouc, enfin plastique, soit une aiguille métal. Ça pose aucun problème. Ça permet d'utiliser n'importe quelle petite bouteille pour remplir. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça limite moins les ennuis de remplissage que le vrai Kefun. Hein, donc ça, c'est un petit détail qui a toute son importance, moi, je trouve, à mes yeux. On remet la vis, on resserre bien à fond sans trop serrer. N'allez pas serrer comme des mules, ça ne sert à rien. Quand vous sentez que vous êtes au bout, voilà, moi je suis au bout, je ne serre pas plus. Et ça ne fuit pas. On est bien d'accord, ça ne fuit pas. Hop là, que je fasse pas tout tomber. Donc voilà. Là en l'occurrence, admettons que j'ai mis le jus et tout ça, il est prêt à vaper. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver tout de suite face à face pour vous faire voir comment ça vape. A tout de suite. Allez, nous revoici pour finaliser cette vidéo qui est un petit peu longue, mais bon, fallait quand même que je vous montre la différence entre le vrai Kefun et le clone. Il y avait quand même une importance à faire ça. Il y a quelques petites différences, comme vous avez pu le voir, quelques petits détails qui sont quand même importants à préciser. Donc, c'est chose faite. Maintenant, vous avez vu aussi le montage, qui n'est pas si compliqué que ça en soi. Il faut juste prendre la bonne taille. En moyenne, il faut ça de mèches approximativement et pas plus. Moi, j'en ai pris beaucoup trop. Vous avez vu un petit peu, j'ai galéré à enfoncer les oreilles dans le tube, dans la cheminée. Donc, du coup, effectivement, c'est voilà, ça complique un peu les choses. Je vous montre tout de suite comment ça vape. C'est parti. Vous l'avez déjà vu de toute façon hier, mais là, cette fois-ci, en plus, il y a le son, il y a ma voix. Comme vous pouvez le voir, ça va formidablement bien. Malgré que je sois en 100% VG, j'ai quand même une sensation de saveur qui est présente. Bien évidemment, c'est pas forcément le 100% VG qui est le mieux pour avoir le rendu de saveur maximal. Mais ça marche quand même. On a le bon rendu. Ça fonctionne bien. Même en 100% VG, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de dry heat. Ça s'alimente constamment. C'est tout le temps alimenté. Même si vous rappuyez 2 heures après dessus, eh bien il est toujours là, il est toujours prêt à l'emploi, il fonctionne super bien. Très clairement, moi je trouve qu'il fonctionne aussi bien que le vrai Kefun. Voilà, après ça c'est mon avis, c'est mon point de vue, ça ne regarde que moi, c'est seulement mon opinion. Ce ne sera pas forcément l'opinion de tout le monde, ça je le sais, je m'y attends. Donc voilà, il va être disponible sur la boutique Vaposite ce soir à 20h. Il y a très peu de pièces. Puisque je n'ai pas voulu me faire avoir comme avec le Russian, donc j'ai commandé très peu de pièces. J'ai été couillon sur l'affaire, parce que j'aurais dû avoir confiance à nouveau pour mon fournisseur qui est pro. Mais bon, quand on se fait échauder une fois, on ne se fait pas échauder deux fois, donc on se méfie. Donc, il y aura très peu de pièces.
Ça risque d'être en rupture de stock très rapidement. Sachez qu'il y en a déjà qui sont déjà en commande et qui vont bientôt arriver. Donc ne vous affolez pas. Je ne sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs sur ce sujet-là. Bref. Il y aura la fiche technique qui sera réalisée cet après-midi. Donc ça vous permettra de voir que ça va être mis en place. N'hésitez pas, soyez au rendez-vous. Faites-vous plaisir. Le prix sera lui de 61,90 € tout simplement. Voilà. Donc pour ce prix-là, avec un engin comme ça, bah je dirais qu'une chose, faites-vous plaisir. Bye bye.